Je suis toujours émue lorsque je me remémore ce que j'ai vécu après le départ de Luc, en juin 1994. C'était un dimanche matin, il faisait très beau. Il y avait un beau soleil, un ciel bleu. Il avait 39 ans. Il est parti faire un footing sur un stade à côté, pas très loin de chez lui. Et là, il a eu un malaise cardiaque, il s'est écroulé et le SAMU n'a pas pu le réanimer. Entre ce 5 juin et le 17 novembre 1994, c'est-à-dire pendant 5 mois, nous avons été reliés tous les deux par des manifestations, par des signes. Et ces manifestations avaient un caractère bien particulier. Chaque fois qu'il était près de moi, je constatais que ma montre s'arrêtait. Et quand il était parti, ma montre se remettait en marche toute seule. Je n'ai pas tout de suite cru que c'était Luc, bien sûr. Au départ, je me suis dit, est-ce que c'est un petit grain de sable qui coince les aiguilles de ma montre à certains moments. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas possible. Parce que si c'était le cas, ça se serait arrêté d'abord, ma montre se serait arrêtée tous les jours. Or, elle ne s'arrêtait pas tous les jours. C'était dans certaines conditions bien particulières. Et elle se serait arrêtée aussi la nuit. Elle ne s'est jamais arrêtée la nuit. Donc tout ça m'a fait penser que ça pouvait être Luc, mais pas tout de suite, bien sûr. Tout a commencé par le...